Dina dévisage alors ce jeune homme plus intensément et le trouve très séduisant. Elle est tout de suite attirée par ses yeux d'un noir profond habité d'une certaine mélancolie. Elle lui sourit. De retour dans son petit studio situé sous les toits, elle répète et répète dans sa tête et à haute voix ce prénom José qu'elle aime déjà et se remémore cette rencontre. Elle ne peut penser à quoi que ce soit d'autre et ne parvient pas à se concentrer sur les rapports étalés sur la petite table qui lui sert de bureau. Toutefois, pour Dina, jeune Colombienne expatriée en Espagne, le conte de fées n'aura qu'un temps, José s'avérant moins un prince à aimer qu'un tyran à fuir. C'est cette fuite qui jettera Dina, alors mère d'un petit Esteban, dans les affres de la précarité, lui faisant croiser des êtres impitoyables et d'autres salvateurs. Court et intense roman d'apprentissage qui énonce une quête du bonheur, devant en passer par la douleur. La force et l'espoir mettent en scène une héroïne du quotidien qui construit avec abnégation des lendemains pour elle plus cléments.